Aujourd'hui la Team Kito, on est sur Brookhaven RP et on va essayer les secrets des props. Mais juste avant ça, je te laisse 3 secondes pour t'abonner. 3, 2, 1, merci! Bon les amis, comme vous le savez, il y a eu la mise à jour de la maison de président juste derrière moi. Et il y a eu aussi plein de nouveaux props les amis. Et c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui dans cette vidéo. Donc c'est parti les amis, déjà je vais aller dans ma petite maison de président. Je vais m'installer à mon petit siège de président. Parce que bon, comme vous le savez, je suis le président de la maison de Brookhaven tout simplement. Qu'est-ce que tu fais à ma place toi là? Moi là j'ai un prénom, tu sais comment je m'appelle en plus? Tu t'appelles, oui, Mini Darkito, c'est ça non? Non, c'est pas Mini Darkito, devine c'est qui? Je dirais, vu qu'il y a cette petite chaise là-bas, je dirais Bébé Darkito. Bah ouais, c'est moi, Bébé Darkito. En fait non, je suis juste Mini Darkito, mais avec une petite tête de bébé. Je suis beau gosse, non? Tu trouves pas? Franchement, Bébé Darkito, ça me va bien. Oui, ça te va bien. Oh non les amis, c'est n'importe quoi. Ok, regarde, je vais te prouver que je suis un grand bébé. Allez, hop là, je vais sur les toilettes et reste pas ici. Franchement, je te conseille pas de rester là. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? Mais c'est un nouveau prop, ça, Mini Darkito. Je t'ai dit de pas rester là. Ouais, d'accord, bon, je vais pas rester ici, les amis, c'est n'importe quoi. Je sais même pas ce qu'il est en train de faire, là, franchement, les amis. Bon, on va s'en aller d'ici et on va aller direction l'école. Bon, les amis, franchement, c'est n'importe quoi. Je sais pas du tout ce qu'il est en train de faire. Franchement, il s'est pris pour un bébé, la Mini Darkito. Là, c'est n'importe quoi. Vous savez quoi? On va essayer tous ses props. Et pour ça, les amis, déjà, on va commencer par les props de bébé. Là, c'est deux nouveaux props, là, vous savez, pour les toilettes, quoi. Les toilettes de bébé. On va essayer ça directement. Bah, vous savez quoi? On va aller à la crèche de Brookhaven. Et qu'est-ce qui s'est passé à sa maison? Pourquoi il y a des... Mais elle est bizarre. Hein. Mais en plus, c'est même pas sa maison, c'est ma maison. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vous pensez qu'il a fait une bêtise ou... Pourquoi il y a des mouches de partout? Franchement, il est trop bizarre aujourd'hui, Mini Darkito. Bon, direction la crèche de Brookhaven. On va aller voir quand même, les amis, ses nouveaux props. Voir s'ils indiquent, pourquoi pas, une future mise à jour pour les bébés. Imaginez, ce serait un truc de dingue qu'ils refassent cet endroit-là qui n'a pas été refait depuis super méga longtemps dans Brookhaven. Franchement, je serais super content qu'ils refassent cet endroit sur Brookhaven. Ce serait beaucoup trop bien. Et pouf! Ouais! Génial! Oh non, c'est... Oh non, c'est n'importe quoi. Je crois que ça sent pas très bon ici. J'ai fait une bêtise. Ça sent pas super bon. Bon allez, on s'en va. Bon allez, hop là, franchement, l'odeur là ici, les amis, moi je vous conseille pas de rester à la maison de président. C'est trop drôle. Franchement, vous pensez qu'il va me faire la tête, Darkito? Vous savez quoi? Je vais aller essayer de me faire excuser. Direction la crèche, parce que ouais, je l'entends les amis, je l'ai entendu dire qu'il allait à la crèche. Du coup, c'est parti, on va l'embêter encore les amis dans toute cette vidéo. Je vais l'embêter, je vais faire plein de bêtises, parce que je suis un bébé Darkito. Enfin, je suis une Mini Darkito, mais un bébé quoi, vous avez compris. On va aller directement dans les props, et là, les amis, on va pouvoir du coup mettre le props des bébés. Donc il faut aller direction les trucs des bébés. Et regardez, il y a ces props là ici. C'est pour faire, bah du coup, pour aller aux toilettes pour les bébés, les amis. C'est n'importe quoi, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. Ça veut dire que peut-être ça va être utilisé dans une prochaine maison ou une prochaine mise à jour. En général, quand ils mettent des props, c'est pas pour rien. C'est qu'ils vont sûrement les utiliser quelque part, parce que tous les props de Brookhaven sont utilisés dans un endroit ou dans un autre. Par exemple, vous voyez ces trucs là, bah c'est des props aussi maintenant. En fait, tout va finir en props. C'est-à-dire que ça, ce sera forcément utilisé dans Brookhaven à un moment donné. Par contre, j'ai pas besoin de me mettre là. Hé, hey, Darkito, 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 Darkito! Hé, hey, hey, c'est n'importe quoi, qu'est-ce que... Ah, oh, bah regarde, toi aussi, tu fais caca ici. Pas du tout, bon c'est n'importe quoi, moi j'essaye des props et lui il se met à côté de moi en train de faire n'importe quoi. Bon les amis, du coup on va essayer les prochains props et direction l'école de Brookhaven. C'est parti, on y va, je vais vous montrer du coup les props qu'ils ont ajoutés. Donc on va aller direction le gymnase les amis. Donc là déjà il y a plein de nouveaux objets dans Brookhaven. Donc j'imagine que pour le moment ça c'est pas des props, mais un jour pourquoi pas les mettre. Imaginez un jour les Jeux Olympiques dans Brookhaven. Bon, on va mettre la salle de danse, hop là. Et là, regardez, une petite salle de danse avec, bah, bien sûr, des props qui ont été utilisés, les amis. Par exemple, vous savez, ces chaises, ces tables et tout, bah, c'est des props aujourd'hui. Eh oui, c'est complètement des props. Donc, on va direction les props et regardez, ils ont rajouté ces nouvelles chaises, les amis. Hop, là, on peut les mettre à pas confondre avec les anciennes chaises, qui sont beaucoup plus grandes. Et les amis, vous pouvez même descendre et choisir, regardez, de mettre des props comme ceci. Et là, vous pouvez rajouter des tables et des chaises directement. Et comme ça, vous pouvez faire une énorme soirée de bal. Les amis, c'est vraiment incroyable. Bon, les amis, est-ce que je laisserai pas Darkito tranquillement ici sur Brookhaven, ou est-ce que je continue de l'embêter? Les amis, vous avez des idées pour l'embêter?
Faut me le dire tout de suite, là, genre maintenant, tout de suite. Comme ça, genre, je peux l'embêter encore plus sur Brookhaven. Ce serait trop drôle qu'on fasse une vidéo où on l'embête entièrement. Bon, pour le moment, je vais le laisser un peu tranquille quand même. Il a plein de secrets à vous montrer. Et surtout, abonnez-vous à Darkito quand même. Waouh, les amis, je crois que je suis pas le seul à m'amuser avec les props aujourd'hui, c'est n'importe quoi. En tout cas, je sais pas si vous le savez, mais avec les props, les amis, ça veut souvent dire quelque chose. Dès qu'ils ajoutent un props, et ben en général, il va être utilisé soit dans une mise à jour, soit il vient d'être utilisé dans une mise à jour. Donc les amis, si je prends en compte cela, ça veut dire qu'il y aura une salle de boxe peut-être ici, les amis. Oh, il y a quelqu'un qui a une maison de président aussi là-bas. Bon, les amis, en tout cas, ça veut dire qu'il y aura sûrement une salle de boxe ici, les amis. Et donc, ça veut dire que pour le moment, la salle de sport, peut-être qu'ils vont changer quelques machines et rajouter, pourquoi pas, le props qui est dans le truc de sport. Regardez, les amis, juste... Non, c'est pas ici, c'est dans le truc de sport ici. Et regardez, peut-être qu'ils vont rajouter ceci dans la salle de sport ou pourquoi pas carrément une salle de boxe. Allez, surtout qu'on peut boxer ici, les amis, boum boum boum. Donc franchement, moi je me dis que si on peut faire ça et qu'on peut rajouter un truc de boxe, bah c'est peut-être pas pour rien, c'est peut-être pour une prochaine mise à jour, les amis. Vous imaginez, on fait de la boxe dans Brookhaven. Franchement, qu'est-ce qui se passe dehors? Il s'est passé, il y a quelqu'un qui tire, il y a quelqu'un qui fait des trucs bizarres. Ah oui, il a le véhicule de Pâques encore, lui. Oh non, c'est n'importe quoi, les amis. Bon, en tout cas, ils ont rajouté ce props, mais moi j'aimerais essayer un truc avec un props vraiment incroyable. Et pour ça, les amis, je vais retourner à ma maison de président. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Non, mais Mini Darkito, il m'a pollué ma maison. Non, mais c'est n'importe quoi. Bon, on va ouvrir les portes. Waouh, l'odeur. Non, mais c'est n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il m'a fait, les amis? Oh, non, 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 non. Faut que j'aère les pièces. Bon, ça a l'air d'être un petit peu mieux comme ça. Les amis, on va essayer un truc. Du coup, on va aller dans le pack de catastrophe et on va disjoncter la maison. Donc pour ça, il faut appuyer sur le pack de catastrophe et appuyer sur blackout. Et là, normalement, l'électricité, voilà, il n'y a plus d'électricité. Et on va aller direction le toit de la maison, les amis. Et comme vous savez, en ce moment sur Brookhaven, il fait super beau. D'ailleurs, même dans la vraie vie, il fait super beau en ce moment. Je ne sais pas où vous habitez en France, mais en tout cas, en ce moment, il fait vraiment super beau. Donc les amis, on va mettre du coup des props. Et quand il y a du soleil, vous savez ce qu'on peut faire. On peut mettre des panneaux solaires. Et oui, les amis, regardez, je vais mettre des panneaux solaires un petit peu. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a plus de sens sur les props. Oh, ça, j'aime pas du tout. Avant, on mettait les props, c'était tout droit. Maintenant, on est obligé de bien mettre droit et c'est super compliqué à viser. Oh non, mais les amis, moi qui voulais faire un... qui voulais mettre les props super droit, bon, c'est raté. Mais en tout cas, le soleil, il est dans quelle direction? Bah, il est au-dessus de notre tête. Bon, bah, ça tombe bien, les amis. Il est pile midi. En plus de ça, ça tombe super bien. Regardez, hop là, donc là, les panneaux solaires. Et normalement, du coup, ça veut dire que la maison, elle marcherait en électricité, même si j'ai fait disjoncter la maison. Donc, c'est parti, on va essayer d'allumer la lumière. Et oh, ça marche, les amis. Donc, les panneaux solaires, bah, c'est une très bonne chose sur Brookhaven. Bon, en tout cas, les amis, si vous connaissez d'autres secrets avec cette mise à jour, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et un jour, on aura peut-être le million d'abonnés. Vous imaginez, si on a le million d'abonnés, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Dites-le-moi en commentaire.